Alors on est à l'aqueduc de Roquefavour, un des plus, ben le plus haut aqueduc en pierre de taille du monde. C'est celui qui achemine toute l'eau à Marseille. Et on est là pour réaliser le lot 2, étanchéité, métallerie, serrurerie. Trois parties. La première partie, c'est le tablier inférieur. Plus ou moins sur tous les tabliers, en fait, on vient étanchéifier pour protéger l'ouvrage. Soit par des mortiers hydrofuges, soit par des dalles, soit en béfu. Donc l'activité de pathologie et réhabilitation des ouvrages, c'est un métier qu'on vient à peine vraiment d'amorcer ici en PACA. Et ça prend d'autant plus d'ampleur quand on travaille sur ces monuments-là. Et je pense qu'on apprend de tout ça et ça nous permettra de développer encore plus du coup. Il s'agit de remettre à niveau l'ouvrage pour lui redonner donc une espérance de vie qui dans les monuments historiques ne se mesure pas en garantie décennale. Mais bien au-delà, donc c'est une remise à niveau qui intervient surtout sur la question de la conservation des pierres. L'idée, c'est de garder son identité de monument historique, corriger ce qui peut être considéré comme des défauts d'époque. On l'a restauré tel qu'il était, mais on y a rajouté un certain nombre d'éléments, notamment d'étanchéité. Avec la société NGE, on a des dispositifs d'étanchéité qui n'existaient pas à l'époque et qui vont permettre de pérenniser davantage l'ouvrage. J'ai mon petit marteau qui est exactement calculé à ma taille et on écoute la pierre, c'est elle qui nous parle. Donc je lui fais toc 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 et suivant la manière dont elle me répond, je peux déterminer son état de santé. Et tout au long du canal de Marseille, on a différentes usines de production d'eau potable donc qui prélèvent l'eau de la Durance dans le canal et transforme cette eau brute en eau potable pour alimenter un bassin de population qui avoisine à peu près 1 200 000 habitants. Donc ça satisfait aux besoins quotidiens de tous les usages domestiques, le particulier qui prend sa douche, l'eau de boisson également, mais également toute la défense incendie de l'agglomération. Moi je suis bluffé. Bluffé parce qu'il y a eu aussi une exigence de l'architecte en matière, on va dire, d'état de surface, de teinte des dalles qui ont été posées par la société NGE. Et c'est déjà resté debout pendant 180 ans. Je pense que ce sera là après nous et après plusieurs générations même.